Bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. C'est un plaisir pour que je m'avec aujourd'hui à la cadre émission éducation économique. Non pas, c'est Jérémy. Vous pouvez suivre Télévision Caraïbe et aussi ou sur Facebook ou sur YouTube, différentes plateformes avec émission ça que Télé Caraïbe avec Haïti efficace porté pour vous. Chaque semaine, nous venons avec des sujets qui ont rapport avec économie, avec finance. Émission ça a un pour objectif pour capable éduquer pour instruire sous question qui a rapport avec le domaine ça pour prendre une bonne décision dans la vie, que ce soit ou c'est un monde qui travaille ou son monde qui pas travaille ou son jeune ou son adulte ou son entrepreneur, n'importe phase où il est ou besoin connaissance sur économie et finance pour prendre une bonne décision dans la vie. Et c'est pour ça émission ça là, et me connaît nous tout aimer émission et m'a saluer sponsor particulièrement Pharmatrix qui sont laboratoire haïtien qui a produit médicaments dans le pays, qui est sponsor principal émission ça. Également, nous avons les produits d'Élise, qui lui-même produit des produits locaux pour consommation, particulièrement café. Nous avons également Fondation Chiradza Roselin, qui est dans l'éducation dans le département Nord-Est. Et nous avons Roulib, qui est une application qui fait transport, particulièrement Montréal, Canada. Également, nous avons Enseigner pour Haïti, qui est une organisation qui a aidé dans la question éducation pour qu'on l'autre système l'école dans le pays d'Haïti. Émission Jodia, c'est une émission qui est particulièrement intéressante parce que nous avons essayé de garder pendant 10 dernières années par rapport à gens économiques, qui décision économique qui te prend, particulièrement au niveau de l'autorité, BRH comme exemple, et qui sa résultat a été. Nous allons faire un petit recap pour nous garder le tremblement de terre là, Jodia là, qui ça qui t'est passé. Et qui j'en ka évalué dans la période dizaine d'années qui s'est passé. Et qui décision qui te prend, n'a pas songé, et qui impact que gagne sur l'économie. Nous prenons éléments ça dans un document qui sont cahiers de recherche que BRH publié récemment et que des monde qui travaillent sur lui, tant que Ludmilla Alien Buto, Jean-Marie Kaimit, Yves Naider Pierre, Jemli, Marc Jean-Baptiste, Jean Amboise, Claude Jacques Diver, Calan Prophète, Jude Beauplan et également Victoria Salvan et avec sous bien évidemment sous direction gouverneur là qui signé et Gabriel Ouna Gabriel. Donc nous allons regarder les mensages. Et à partir de ça, n'a pas fait conclusion pour nous dire décision qui te prend yo, est-ce que tu vraiment aidé, est-ce que pas aidé ou encore est-ce que résultat a été mitigé. N'a tout à l'heure pour développement question. Nous tournons à l'émission, nous avons regardé trois bagages. Nous avons regardé le cadre macroéconomique qui a développé, j'en ai présenté pendant une dizaine d'années qui sont passées là. Deuxièmement, qui décision autorité a été prise. Et troisièmement, qui résultat que décision a été prise. Une bagaille qui marque cadre macroéconomique Haïti, c'est déséquilibre. C'est pour ça que le déséquilibre macroéconomique. Et déséquilibre, là, veut dire que d'un côté, pas de production nationale qui est suffisante, qu'on fait production nationale. De l'autre côté, prix toujours à monter. De l'autre côté, question d'eau, la goutte toujours à bas problème. Et au final, condition la vie moun, c'est une carrière entrée dans la question sociale, pas améliorée pendant la période ça. Maintenant, les nous sortis en 2009, dans le pays, il y a une croissance économique intéressante, 6%. Et depuis tellement de temps, la vie arrivée, bah, elle a déraillé, malgré te gagné yon, d'arababdi, croissance, le, en pile aide de commencer à pomper dans le pays, ya. Mais 2010 là, c'est une année difficile, côté une croissance négatif, moins 5,6%. Pour nous comprendre. Maintenant, songez, je me dis que, vous avez une aide qui était dans le pays après 2010, un pile ONG, un pile organisation internationale, etc., etc. Pour être capable de soutenir la reconstruction du pays. Cependant, chiffres ont prouvé que, malgré toute aide ça, après Goudou Goudou, croissance économique n'a pas de jambes soutenues. Il n'a pas de jambes gagné un niveau, n'arababdi, qui suffisamment élevé. Et parallèlement,
croissance démographique, ça veut dire quantité de monde qui t'a fait dans le pays, a augmenté beaucoup plus que j'en richesse augmenté, et ça vient accentuer, ça nous dit en français, paupérisation. Ça veut dire que le monde vient bien mal. Maintenant, trois dernières années, on a dit quatre dernières années, vient pi mal toujours en termes de situation, de dégradation des conditions socio-économiques, politiques, sécuritaires, avec toute paralysie d'activité, la question de sécurité, kidnapping, activité gang. Donc, qui vient faire que 2024, attendez bien ça me le dire, vient sixième année consécutive que l'économie Haïti a une croissance négative. Depuis 2019, passé dans 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Et m'pa gen aucun côté, le m'ap gade économie là, dans période contemporaine, kote ou gen 6 ans ou pa jam capable de relever de problèmes économiques ça que n'a fait face. Et ça, c'est une situation qui est particulièrement difficile. On gade graf ça avec moi, n'a comprenne. Graf ça, son graf qui présentait croissance économique Haïti. Qui sa croissance économique? Li vle di, c'est niveau variation production richesse de yon période à yon l'autre période. Nan kapa nou, c'est yon année à yon année. Donc, si nous gade graf la bien, mais yon bagay n'ap comprenn. Nou est zéro, c'est li nan mitan. Ça veut dire qu'on gen impression, tout li lan, nou pa jam trop loin zéro en réalité. Mais deuxième remarque nan men fè. C'est que nous avons croissance en dents de scie. Ça veut dire, depuis une fonte montée, après une descente. Depuis une fonte montée, après une descente. Donc, nous avons une croissance qui est soutenue. Nous avons une croissance qui est constante. Nous avons une croissance qui est pérenne. Vous voyez bien? Parce que, en pays normal, croissance n'est pas toujours très, très, très haut, mais il est toujours à monter. Et c'est monter qui crée richesse. C'est monter qui change la vie monde. C'est monter qui voulait dire, gagner job qui crée. C'est monter à qui veut dire gagner entreprise qui a développé. Donc, pas nous, mes alliés. Ça veut dire que 2009, il était haut, 6%. Bah, il a marché. Tremblement de terre l'a passé. Plop, il descend en bas encore. Après tremblement, gon poussé, côté bourré qui fait, et puis ils font remonter encore. 2012, il descend encore. 2013, il monte. 2014, il descend. 2015, 2016. Et puis, le niveau de 2018, bah, la compliqué net. C'est descendre seulement. 2017, descendre. 2018, descendre. 2019, ça c'est à partir du Jovenel. Et tout mouvement politique, pays, loc, etc. 2020, 2021, il continue à descendre encore. Croissance là, pas arrivé, qu'aimé, alors que population a augmenté. Maintenant, au niveau de finances publiques, là, on va parler de secteur réel, question production, richesse, croissance économique. Au niveau de finances publiques, l'un des finances publiques n'a gardé deux éléments particulièrement. C'est dépenses l'État avec rentrée l'État. OK? Recettes et puis dépenses. Donc, l'un des finances publiques n'a pas chiffré deux éléments qui sont plus importants, c'est ça. Recettes l'État, dépenses l'État. Maintenant, l'un nous gardé, on a dit, 10 ans sous le passé, hein? L'un nous prend 2013 par exemple. Gagner une quantité de dépenses qui t'a fait dans le pays. Pour le programme social, etc. Et le bon toll rouge, puis le bagage qui a construit. Donc, tout le bagage, tu mets ton pression sous l'argent de l'État. Donc, dépenses l'État dans le moment, tu es augmenté en pile par rapport à revenu l'État. Recette l'État. Donc, gain ça nous relie un gap. On gap, ça veut dire que son écart entre dépenses et recettes. Donc, nous songeons très bien pour ça. Tu m'as chéri, qui ça, et quantité de construction, toll rouge, et tout côté dans le pays, marché poisson, stade, entre guillemets, l'aime dit stade là. Bon, nous connaissons, c'est pas stade vrai. Son bonne équipe terrain football, qui pas même bien faite. Donc, tout bagage ça, nous, mais, les vins créer yon écart, il vient créer un creux, il vient créer un trou dans le budget de l'État parce que pas de gain assez recettes pour être capable de correspondre avec ça. Donc maintenant, rater ressources dans le niveau de l'État, il vient faire que
yo vin met pression sou BRH en 2013, 2014, 2015 pour vin fè sa nou rele financement monétaire. Son émission son coût que son coût économique. Qu'est-ce ça que financement monétaire? Financement monétaire c'est là que l'État haïtien pas gain assez l'argent par rapport à obligation. Le gars des revenus que le gars a c'est comme si me dadou l'État haïtien lui veut collecter 100 goud mais tout ça il pour le régler c'est 120 goud mais 20 goud ça côté l'a joindre il faut que lui contacte BRH et BRH lui même comme c'est banque l'État lié c'est lui même qui a obligation pour que lui réponde à ça donc lui fait création monétaire pour capable répondre à besoin ça que ministère des Finances gagne. Et c'est ainsi, en 2013, BRH en avance pour 2,2 milliards de gouttes, c'est-à-dire que l'État n'est pas capable encore, l'État BRH a poté. En 2014, BRH 5,3 milliards de gouttes, il vient avec l'argent pour compléter le déficit de l'État. Et en 2015, 9,9, presque 10 milliards de gouttes en termes de financement monétaire. Mais nous regardons ça, Pita. Chaque fois que BRH fait ça, parce que l'État haïtien rageur, il n'a pas payé les gens, il a des bagages à régler, il a pile bagages à régler. Nous sommes chez BSA sous Matélite, nous avons dépensé l'argent. J'ai fait, mais j'ai regardé comme si je me disais tout bagage, même ça n'est pas important. Qu'on va dépenser. Mais les conséquences qu'on va dépenser, il y a des conséquences après. Parce que chaque fois que BRH obligé, parce que BRH n'a pas de choix, on dit qu'il y a un chèque pour professeur à la police est touché. Est-ce que BRH, comme banque l'État, a dit que ou pas de choix? Chèque pas touché. Il faut que lui-même, à chaque fois, l'oblige à mettre pour vous. Mais en banque commerciale, on dit qu'on ou on compte dans la banque commerciale. Et vous, économistes, ah, et met un chèque 10 000 gouttes. Mais si vous qui dit un chèque 10 000 gouttes là, pas de 10 000 gouttes sur compte, banque pas payé. Banque dit, mon chèque pas de 10 000 gouttes, pas de payer. Mais laissez l'État, BRH, obliger lui-même à chaque fois compléter. Et ça, le financement monétaire là. Il y a des conséquences terribles. Sous inflation avec dollar qui a monté. Nous allons regarder ça plus tard. Maintenant, vers 2016-2017, il y a une amélioration, particulièrement avec le programme Cash Management, que BRH avec le ministre des Finances a signé un bagage, puis on entend, puis on dit, bon, désormais, l'État n'a pas dépassé telle limite. Bon, quoique, nous devons voir par la suite, Cash Management n'a pas respecté ça, parce que l'État a toujours fait des ordres jusqu'à ce que vin gagner bon t'es toujours gagné financement monétaire mais elle t'est quand même baissé et au fur et à mesure 2018 déséquilibre budgétaire a vin pi mal toujours particulièrement avec dépenses qu'a fait mais aussi difficulté l'état t'a gagné pour rentrer tout parce que pays a t'a commencé dans crise pas oublier 6 7 juillet 2018 et puis tout mouvement ça a fait que financement monétaire BRH rivé à 24 milliards d'euros donc en 2018 l'État tellement fait déficit, donc BRH est obligé de supporter à 24 milliards de gouttes. Maintenant, en 2019, bagarre un petit genre grave, et puis, c'est ainsi, BRH, le ministre des Finances, récien, on pack encore, pack de gouvernance économique et financière, et le ça, pour que yo capable de réduire le déficit de l'État, pour dire l'État, suspend faire des ordres, faut qu'on mette les bagarres au propre. Pour que nous pas bas économie plus problème. Donc c'est ainsi que j'ai fait à cause ça. Alors que on dit qu'après après avec situation pays 2020-2021 tout choc que nous gagnons parce que nous allons faire émission la semaine prochaine sur question choc yo, l'ivin fait que l'État vient pas capable de mobiliser assez ressources, il pas gagner assez ressources justement pour qu'à faire face à obligation avec engagement qui vient beaucoup plus dans pays. Maintenant, financement BRH, comme tu as parlé de l'État, tu as expliqué nous, en 2013, 2 milliards, 2014, 5 milliards, 2015, 10 milliards, mais c'était blague. Par rapport avec 2020. Donc, en 2020, financement BRH à l'État haïtien, rivé 42,9 milliards de gouttes. Ça veut dire que l'État n'a pas pris rien encore. C'est BRH comme banque qui prend l'argent, parle, la créer l'argent pour capoter en l'État qui pas campé soin. Qui sous béqui, en l'État qui pratiquement en mode sérum, comme son bail sérum y a poté. C'est ça le dé en 2020.
Donc, pas quitter monde dit l'autre bagaille, c'est que l'économie, c'est saleté. En 2021, ben, elle a gravé l'avantage. Donc, au 30 septembre 2021, BRH maintenant vient supporter à 49,3 milliards de gouttes. Donc, au final, vous avez l'impression d'être l'État ici envers BRH, son bagage qui vient extrêmement élevé, je veux dire. Parce que chaque année, vous avez une quantité 10, 20, 30 milliards. Parce que c'est prêté, oui, c'est pas l'argent qui fait cadeau. C'est-à-dire que, ou rageur, moi prêteau comme là, pour remettre après. Bon, bien évidemment, ça arrive souvent, pas remettre, ou encore, pas qu'on est qui gens rituyer. Donc, c'est tout ça qui va être problème. Et tout déséquilibre ça, au final, il vient fait que l'État pas capable de faire face à l'obligation, je m'en dis. Donc, en d'autres termes, on garde là, on garde avec moi, grave ça. Grave ça, présentez-nous déficit budgétaire l'État de 2009 à 2021. Donc, bâtonnet bleu, c'est niveau déficit. Donc, en 2009, déficit a été très faible. Son bagage qui est inférieur à 10 milliards de gouttes, nous, elle est. Mais c'est montant à gauche, nous, elle est. À gauche, c'est montant. 2010, bon, pas si mal que ça. 2011, il est vraiment descendu. 2012, il commence à monter. 2013, il monte. Donc, l'ordre des, etc. Haïti Open for Business, Matéli, la mort, pile bagage dépensé. C'est difficile, l'État. Cap augmenté. 2014, l'augmenté. 2015, il est descendre. 2016, il a commencé. 2017, sous Jovenel, en fait, il vient de joindre Niba. 2018, il est monté. 2019, il font descendre. En 2020, bah, elle a éclaté. Non, elle est pratiquement plus que 100 milliards de gouttes de déficit budgétaire en 2020. C'est une catastrophe. Et puis en 2021, malgré le fond descendre, mais elle a toujours été important, supérieur à 60 milliards d'euros. Maintenant, bon, faut faire des parenthèses. En économie, nous apprenons, pas parce qu'un pays fait déficit budgétaire, veut dire que c'est un problème. Non, majorité pays fait déficit budgétaire. Majorité. Ça veut dire que déficit budgétaire veut dire que ça, veut dire que recette moins, pépiti, que dépense moins. OK. Mais ça va dépendre de ça, on va régler avec dépense. C'est ça la question. Donc, déficit, OK. Mais déficit sous base, qui ça? Qui ça m'a dépensé qui fait me faire déficit? Donc, si m'a fait bon dépense, dépense productive, si m'a fait bon dépense d'investissement pour remembrer le pays, pour construire l'hôpital dans le pays, pour construire l'infrastructure dans le pays, pas un problème. Mais lors de dépenses, tu vas monter comme ça. Ce n'est pas fait pas qu'à régler. C'est assainissement, si m'a eu la jeune dans la rue, n'est pas fait comme qui ça, ça, et c'est de ça qu'on a parlé. Et c'est ça qui fait que l'impact qu'on a supposé gagner, hein, ou à gagner. Dans le fond, on se pose, à l'heure, pour regarder l'aspect déficit commercial et également différentes mesures qui te prennent au niveau autorité yo, par rapport à tout drame qu'on a parlé là. On se tourne. Je vous rappelle que vous suivez l'émission d'éducation économique, non pas M. Zeremil, et c'est Télévision Caraïbe avec Haïti Efficace qui propose l'émission ça et qui est supportée par Laboratoire Pharmatrix, Fondation Sheraza Roselin, les produits d'Élise, et Oulib Rideshare, et également Enseigner pour Haïti. Nous avons parlé tout à l'heure de tout déséquilibre pendant l'élection passée. Maintenant, au niveau commercial, tu as un déficit. Elle vient plus grave parce que la production locale là vient effondrer davantage. Qui vient faire que Haïti vient dépendre de plus en plus d'importations par rapport à l'exportation nous-mêmes qui n'est pas suffisamment élevée. Et c'est ainsi que l'importation Haïti, époque avant 2010, c'est tombé à peu près 2,8 milliards de dollars. Avant 2010. Okay. Avant 2010, 2009. 2,8 milliards de dollars. Pour aujourd'hui, les 5 milliards de dollars. Okay? Ça veut dire que de 2009 à aujourd'hui, nous doublons la quantité d'importation que nous avons acheté à l'étranger. Okay? Donc, l'économie hein, vient de plus en plus dépendante de l'importation, pendant que l'exportation représente autour de 7% PIB et
particulièrement qui ça nous exporter 80% là-dedans c'est textile bagay nous a fait dans parc industriel yo slip maillot chaussettes et qui a fait dans parc industriel yo que ce soit Sonapi Codevi ou bien Caracol ou bien parc industriel de l'aéroport dans Fleurio. Donc en gros c'est ça. Maintenant qui vient faire que vinn gon déficit chronique et gon déficit non seulement chronique mais qui chaque jour plus grand entre import et export. Jodi a schéma c'est 5-1. Ça veut dire que nous exportons pour 1 milliard de dollars, nous importons pour 5 milliards de dollars. Donc déficit c'est 4 milliards de dollars. Donc en réalité l'inverse tapis d'économie hein, si nous était capable gagner excédent dans niveau commercial, mais nous pas d'abord gagner excédent mais nous ca toujours gagner importation qui est important, mais c'est qui ça n'a pas importé. En général, gagner deux bagages qu'on ca importer beaucoup plus et qui pas dérange. Un, c'est bien qu'on pas produit la caillou et ou pas ca produit parce que gagner des biens qui mandent en pile technologie, gon histoire pour gagner avec bagayo, on connaît des bagages qu'on pas gagner la caillou que c'est l'autre bord pour sortir. Fine. Mais dans le cas à nous, nous importer des produits finis que nous ca produit. On pas ca comprendre pour qui ça Haïti cap a importé 1.5 milliard de dollars américains de produits agroalimentaires et agricoles pendant que nous ca produit. OK. Nous ca produit. Donc bon bonne bagaille n'a pas acheté l'autre bord, qui pas obligé là. Le Petrocaribe était là au lieu que nous prenons comme ça pour nous construire des centrales qui capable de faire bagaille pétrole là, transformer pétrole là et puis nous-mêmes n'a acheté pétrole là fini. Donc nous pas faire rien justement comme raffinerie, c'est moi raffinerie pétrole. Maintenant, qui mesure qui te prend par rapport à tout déséquilibre ça yo? D'un côté, BRH lui-même, il gagne trois focus. Focus croissance, focus inflation. En fait, deux focus. Maintenant, inflation, on a une parenthèse là-dedans qui c'est pour change. Ça veut dire dollar good. Mais ils sont ensemble, c'est prix. Okay? Parce que dollars sont prix et tout. C'est-à-dire que le prix de la montée, de la descente, même genre que du riz, pois, l'huile, spaghetti. Donc, BRH a deux focus. Bon, mis à part de question de supervision bancaire, mais focus croissance, c'est-à-dire que il a pas assuré que gain économie en quatre et augmenté. Deuxièmement, gain stabilité dans le prix avec un change, avec le dollar goud là. Maintenant, par rapport à ça, où équipe de mesure qui te prend au niveau BRH, et nous allons regarder, parce que BRH, c'est pratiquement avec ministère finance, économie des finances, c'est deux autorités économiques. Okay? Donc, secteur économique, secteur financier, il y a deux autorités. BRH, qui plus dans finance et monétaire, et puis ministère économique des finances, qui plus dans l'économie. Bon, donc on est très bien. Il y a rarement fait économie, il y a plus à faire finance. C'est un bagage que nous toujours dit tout le temps. Maintenant, BRH, il y a des outils dans Mali, par exemple, les bons BRH, que les utiliser pour capable d'influencer le marché prêt, c'est-à-dire pour prêter mon argent. Okay. De même que les taux d'intérêt aussi, c'est un instrument que l'utiliser. Et qui ça a bon BRH? Bon BRH sont produits financiers que les institutions financières ont accès avec eux. Et vous voulez dire qui ça? Il veut dire que BRH besoin en quantité quoi? OK. Li ba yon titre. OK. Li prête kob la. Nan mon, li bon titre en bagou tout en papier. Et la pour remettre ou kob la après un temps que nous entend nous sous li, 7 jours, 28 jours, 91 jours, c'est trois maturités que bon yon gagne. Et la ba ou la avec un intérêt. Il va suivre même bien ça m'a expliqué. Tant intérêt à bas. C'est tant que banque ka moins s'intéresse avec ça pour plus s'intéresse avec prêter moun l'argent plutôt. Suivez-moi bien parce que bon, malgré l'opé BRH l'argent ou gen garantie à 100% que la promet. Mais s'il met intérêt à bas, regardez même si m'a prêter à banque 1% seulement. Après 7 jours mais pour ça? Pour ça m'bail prêter marchand plutôt, ka ban plus quoi. Donc banque là gagne le choix entre bon BRH
qui est capable moins attractif ou plus attractif comparé avec prêter moun l'argent. Maintenant prêter BRH l'argent est garanti que l'argent pas perdu. Prêter moun l'argent ou un garanti. Ce business qui va marcher, mais ça moun n'a pas qu'à remettre. Bon, on doit mettre moun en prison, c'est le pas remettre, mais même le mettre moun en prison, ça va veut dire. Même le saisir caille là, il pas veut dire l'argent que tu as besoin. Parce que banque là toujours préféré justement qu'on paye au lieu que son l'autre bagaille qui arrive. Maintenant en 2014, bon yo 7 jours, 28 jours, 91 jours, tu as gagné intérêt 1%, 2%, 3% et qui devine passer à 3, 4, 5% pour la première fois après 4 ans. Bon, on verra mon petit augmentation. Et puis en 2015, il vient passer à 10%, 12%, 16%. Et puis vers 2016, en réalité, il vient ramener à 6%, 8%, 12%. Maintenant, une raison pour faire BH utiliser ça, c'est pour être capable de jouer sous question marché dollar. Parce que chaque fois li bay banque là un avantage comme ça, banque là prend pile goud qui dans main yo, yo bay BH. Donc, les retirer en quantité goût de circulation. C'est ça l'idée. Donc, BRH utilise moins ça, les bons BRH, non seulement avec taux d'intérêt tout, il a influencé le marché prêt, mais surtout dans le contexte ça, c'est pour influencer le marché change. Maintenant, bon deuxième élément que BRH gagne, qui est le coefficient de réserve obligatoire. TRO, taux de réserve obligatoire. De 2009 à 2012, taux de réserve obligatoire sous passif en goud était 29%. Il était inchangé pendant toute période de 4 ans. Et passif sous dollar, 34%. Ça a tout gagné impact sous change parce que qui ça l'a dit? Qui ça réserve obligatoire l'a dit? Il dit que qui pourcentage dans le dépôt que le client a gagné dans la banque là, que la banque est obligée de faire BRH Kimbe. Il y a ça. Taux de réserve obligatoire. TRO. C'est pourcentage dans le dépôt que la banque BRH exige que la banque Bali Kimbe. Donc, l'on fait ça, il y a deux bagailles. On dit pour Goudla. Si l'on estime que Goudla perd du valeur, li ka utilise ça comme technique parce que l'el bay banque la yon taux qui haut donc ap gen moins goud nan marché ya nan système nan k'ap fè que goud la pi rare ça li augmenter taux de réserve là. Mais goud l'autre pas tant taux de réserve ou haut tout banque la ka prend ça comme prétexte pour pas bay crédit parce que il dit que tout est pas que gen nan même nan mais BRH mandé pour le prendre. Parce que à qui ça va être la crédit? C'est avec dépôt. Yo. C'est bon l'autre l'argent. Donc, tant que BRH a un taux de réserve qui est plus haut, c'est tant que la banque a moins de disponibilité pour yo prêter. Quoique, en réalité, yo kon gen nan men yo pa prêter. Parce que, pour différentes raisons. Pas parce que yo pa vle seulement, gen ça tout. Parce que la banque a pas même prendre trop de risques. En même temps, tout, contexte là, fait que moun pa mande assez tout parce que nous allons ça non vidéo n'a préparé prochainement sur question crédit c'est que gen moins de demande pour prêt parce que contexte là moun yo peur parce que moun n'a pas mettre un prêt sur tête li non contexte il pas comme ça demain à bail il pas comme si zone ni bandi pas prendre donc non seulement pas bail assez mais pas grâce demande tout et moi ouais dans petit cas tant que ça passé là pratiquement 2 ans entre 2021-2023, compte en banque qui gagne prêt sous yo, passé de presque 90 000 à 60 combien mille. De presque 30 000 comptes en moins qu'on a gagné prêt sous yo. N'a pas tourné sous ça dans une vidéo que Artifica a préparé avec support BRH sous question et crédit. Maintenant, on garde de l'autre élément, c'est ça l'intervention sur le marché des charges. Ça en habitué avec lui, c'est que BRH a fait injection. Donc, et matin, midi, soir,
BRH injecté 50 millions de dollars, BRH injecté 20 millions de dollars. Bon, m'expliquer injection plusieurs fois, on va expliquer encore. Injection, c'est pour l'argent que BRH l'a gagné dans la poubelle. Son l'argent que BRH changé. Ça veut dire, l'aile dit injecté 20 millions de dollars dans le marché, c'est 20 millions de dollars américains que l'a changé dans la banque et la banque bal good dans la place. Là. Et l'aile ça fait, il y a deux bagages qui arrivent. L'augmenter disponibilité de dollars dans le marché parce que vous ratez. En même temps, tout l'assécher goud là que l'estimer qui trop dans le marché. Donc, on grain opération, il y a deux impacts directs. Et tous les deux visés à stabiliser le marché d'échange. Et chiffre, sorti 2017 pour arriver 2021. BRH te vend 613 millions de dollars américains dans le marché. 2017 à 2021. Et montant ça, il était presque deux fois plus que BRH te vend 5 années avant. Okay. 5 années avant. Ça veut dire 2012 à 2017. Okay. 5 années. Ou pas, 2013, pardon. 2013-2017, 2013-14-15-16-17, ok. 2013-2017, 2017-2021, il y a deux périodes, 5 ans, 5 ans. Ok. Et ça, 2013-13-14-15-16-17, voilà. 2013 jusqu'à 2017, 5 ans. 2017-2021, 5 ans. 17-18-19-20-21, ok. 5 ans, 5 ans. 5 ans, 2017-2021, BRH 20. 613 millions de dollars américains sous marché. Alors que 5 ans avant, 2013-2017, les BRH te vendent seulement 355 millions. Donc presque deux fois plus. Et moi, dis injection, yo, te gagne objectif pour ça. Et mesure qui prend dernièrement en octobre 2020, nous songe bah ça, circulaire 114-2 qui crée un pile problème, un pile plein. Côté que BRH décide pour que lui pas ba moun dollar encore dans mes autres transferts. Bon, bah ça, tout le monde joue, tout le monde pété et fâché et pété compte, d'avoir dit. Et nous allons regarder tout à l'heure qui ça résultat. Est-ce que l'objectif BRH te gagne par rapport à ça? Est-ce que l'atteint? Parce que lui dit que pas gagner assez dollars, l'elle fait ça, c'est pression la mettre sous tête lui. L'elle fait ça, c'est machin formel la cap augmenter. S'il pas te fait ça, nous allons regarder est-ce que réellement le résultat est au rendez-vous. Maintenant, bon, l'autre élément, c'est l'obligation BRH. L'obligation BRH, c'est un produit que BRH lancé en juillet 2015 qui dit qui ça? C'est que au cas acheter l'obligation BRH dans l'équipe de banque, tout, pas toute banque, là-dedans, en façon pour l'empêcher, pour le décourager le monde à l'acheter dollar avec l'argent que vous avez en goutte. C'est comme si vous avez 100 000 gouttes sur un compte en banque et comme vous avez une obligation BRH, je n'ai pas besoin d'acheter dollar avec encore. BRH a ban moins 7% sous une année en termes d'intérêt et si l'argent perd du valeur, il n'a pas ajusté. Bon, ça veut dire que c'est une façon pour être capable d'encourager les gens pour ne pas changer les gouttes parce que il y a un bon bénéfice. Souyon l'argent en goutte qu'on gagne la banque. Bon, gen moun kachetil et gen des banques qui pas accepté faire parce que la banque estime que li la fait concurrence avec activité pa yo. Donc encore une fois nous va regarder qui ça résultat ça et qui gon équipe de mesures réglementaires qui prend en juillet 2015 par exemple, BRH interdit que banque yo bay prêt consommation en dollars. Ça veut dire prêt et pour acheter une machine, etc. Donc, décidément, c'est un goût pour yoye. Livin avec mesure en avril 2017 sous question la position cambis des banques commerciales, faut qu'il nul, mais ça veut dire. Ça veut dire que tout l'argent que banque yo achete en termes de dollars, faut que banque l'en vende dans 24 heures de temps. Donc, banque l'en pas qu'à kembe, banque l'en pas qu'à abserrer dollars pour pas vendre ça l'acheter. Donc,
BRH exige que banque depuis au gondou là que acheter dans mon monde l'argent nan men yo pa ka serrer pour autant de 6 mois pour autant d'une semaine faut que yo revende immédiatement. Donc ça c'est et là ça pas fait nous on j'ai peut-être 3 4 ans plusieurs dans banque te sanction plusieurs centaines de millions gourde par rapport avec yo pas respecté une équipe de bagarre. Bon. Gagne des décisions qui prend tout sous question carte de crédit qui supposé facturer en gourde même si mon acheté l'autre bord. Question cash management mal de l'État, le ministère des Finances avec BRH pour capable entendre pour ne pas dépenser trop l'argent dans le niveau de l'État. Et nous parlons de circulaire 114-2 sous question pour bail mon yo good dans maison transfert. Et également, gagner et en gros, ces différentes mesures qui te prend dans la question réponse par rapport à problème ça. Maintenant, nous allons finir tout à l'heure, nous allons pause, nous allons regarder qui résultat que ça va. Et qui gens nous pas capable, qui gens capable faire mieux par rapport à défi économique que nous fait face. Merci. Nous allons finir l'émission, hein? Nous allons regarder les résultats différentes mesures qui te prennent. On ne peut pas une parole. On prend une question de la goutte. Bon, ces jours, si nous avons quelques temps là, nous avons regardé que nous avons les stables. Mais pendant ce stable là, nous avons toujours cherché d'où là, que nous avons joint. Bon. Nous avons fait notre émission sur ça. Et nous pensons que faut que nous assurions que nous créions plus de moyens pour que nous utilisions moins de cash. Parce que nous ne pouvons jamais résoudre le problème ça. Parce que nous avons toujours un problème. Cash, cash, cash. Cash d'où là. Et des fois, c'est parce que nous n'avons pas de choix. Parce que nous n'avons pas de compte. Parce que mon n'a pas gagné banque en ligne, parce que mon si la vous on transfère l'autre bout, il pas gagné on compte pour d'affaire, donc il vous obligé gagner cash là, des fois son loyer pour t'a payer, il pas gagné compte pour ta ville pour mon sur téléphone ni comme si modernisation ça que nous pouvons faire a fait que nous toujours des difficultés pour gérer question ça et toujours des batailles entre clients yo, banque yo, BRH etc par rapport à question d'où là, il faut que nous résoudre et ou encore de manière ultime, toujours dit ça, solution finale là, c'est pour qu'on grain monnaie qui est en circulation, qui est le good, pour qu'il finisse la question ça, parce que tout autant, on a vendu un dollar, a demandé un dollar, a payé un dollar, a acheté un dollar, a acheté un dollar, là, toujours créé problème dans l'économie avec double circulation ça. Donc, maintenant, change là, on t'y a stabilisé depuis quelques temps, avec différentes mesures qui prend. Cependant, soit regarde période là, son bagage mi-figue, mi-raisin. Des fois, elle monte, des fois, elle descend, des fois, elle monte, des fois, elle descend. On regarde le graphe ça avec moi. De 2016 à 2021, qui j'en question et goutte dollar, t'es augmenté, qui j'en dévarié. Nous, est que 2016-17, les tontis j'en stabilisé en bas 70 gouttes, entre 60 et 70 gouttes, jusqu'à juillet 2018. Songez 6-7 juillet, à partir du moment ça, l'y monte. Li monte 90 goud dans zone mai 2019 et li fonti campé là li remonte en pile encore pratiquement 120 goud dans zone juillet 2020 nous est ça et encore li font descendre en pile zone septembre octobre 2020 sans qu'il pas de printemps encore de remonter encore jusqu'à septembre 2021 dans zone 100 goud bon là. Et nous baguons l'autre partie dans le graphe là, nous comptons ça les jours d'hier autour de 132-133 à peu près, taux officiel. Et selon Jean Mounio Van, nous vendons 138, nous vendons toute qualité prix. Par exemple, nous avons même 240 même, mais officiellement, on est autour de 130-131-132 gouttes, plus ou moins depuis plusieurs mois pratiquement. Donc, ça c'est ça. Maintenant, pour prix produit, on regarde le graphe ça, l'autre graphe, gagne quand même un mouvement qui est extrêmement grave. Récemment là, qui pas même dans le graphe là, on a dit un an et demi de cela, il est arrivé presque 50%. Hein. Là, on a regardé que zone 2016 était très bas, autour de 10,67%. 2017 il était stable. 2018, donc à partir de mai, à partir de juillet 2018, ça c'est un moment important. Hein. 6-7 juillet 2018, c'est un moment qui dérangeait en pile bagaille, comme si crise politique, bloqué pays, etc. Yo grand pile impact négatif sur l'économie, sur stabilité, hein. Stabilité good, la stabilité prix, yo, stabilité économie hein, de manière générale. À partir du moment ça, prix augmenté, 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 augmenté. Il y a jusqu'à 27% de inflation
à peu près on dit juillet 2020 il descend en pile dans zone 2021 et puis par la suite il vient remonter j'aime dire là l'année dernière de pratiquement presque il est à 40% 45% jodi a nous quand même autour de 23% à peu près m'a fait songer exactement on est autour de 23 24% 25% et inflation annuelle qu'il a mais quand même l'important hein pas oublier des dollars depuis 2015 inflation en bajam plus bas que 10% ce qui est une très mauvaise note parce qu'on pour économie normale on inflation pas supposé plus que 4% son année et qui ça 4% veut dire que bagage qui a 25 gourdes pas supposé vendre plus que 104 gourdes alors que dans cas par nous une inflation qui est excessive 10, 15, 20, 30, 40, 50%. Et certains produits même, les beaucoup plus que l'inflation normale là. Maintenant, au niveau de la croissance n'est pas au rendez-vous. Voilà. Ça va faire 6 ans, j'aime te dire là, l'économie n'a pas croître, malheureusement. Et le pas de croissance, ça veut dire plus pauvreté. Ça veut dire que au final, pas de richesse qu'a créé. Ça veut dire moins d'entreprise. Ça veut dire plus chômage. Ça veut dire paupérisation. Détérioration la vie citoyenne. Parce qu'on économie, objectif, c'est pour créer du travail, pour avoir des revenus, c'est pour créer des conditions pour faire business, c'est pour améliorer les conditions de la vie. Depuis ça va fait, pour moi, c'est un échec. Donc en fait, c'est un échec. Parce que malgré des mesures qui prennent, qui évitent le pire, mais au final, par rapport à tout défi politique et sécurité que nous gagnons, il fait que l'économie n'a jamais prend niveau croissance, il suppose prendre. Il va jamais stable, il suppose stable. Et tout ça dérange les conditions de la vie. Non. Merci en pile. Parce que tu as suivi l'émission, ça. Que je pense que tu es très pédagogique, très éducatif dans la quantité de bagages que nous avons essayé de développer. Il faut comprendre. Haïti efficace et également. Télé Caraïbes, c'est le monde qui porte l'émission, qui réalise, qui produit. Mais il fait avec support Pharmatrix, qui sont laboratoires haïtiens. Fondation Chiradza Roselin, les produits Nélise, Roulib, Rideshare et également enseigné pour Haïti. Mais émission ça a tout, il y a un pile support dans l'équipe de page Facebook Cap Bailey. Nous ne pouvons jamais suspendre, dire que j'aime reconnaissant envers nous. Et il y a des radios tout, dans pile ville province et dans la diaspora qui passe émission ça a tout. Mais le plus gros supporter, c'est vous-même, qui toujours aime, qui like, qui commente, qui bon feedback. Qui dit m'sou remè, qui dit m'sou pas remè. Pas oublier, toujours commenter, partager, faire l'autre monde découvrir, ça n'a pas lieu. Ou ka connecter avec moi, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur LinkedIn, sur TikTok, sur YouTube, mon YouTube channel, et dire email. Ou ka écrire sur email moi, et dire email à commercial@gmail.com. Également, site internet moi, www.edzeremail.com. Merci en pile, à très bientôt.